Il y a 3 ans, Jean Seberg, vous étiez la découverte de l'année. Otto Preminger, vous avez choisi entre des milliers de jeunes filles pour tenir le rôle de Jeanne d'Arc et puis celui de Bonjour Tristesse. Et puis il y a 1 an, vous n'étiez plus rien. Les deux films avaient été des échecs et on ne voulait plus de vous. Et cette année, vous êtes à nouveau une vedette. Cette carrière en montagne russe, ça ne vous donne pas un peu mal au cœur? Ça m'a donné beaucoup plus mal au cœur l'année dernière. Oui, maintenant ça s'arrange. Oui, ça s'arrange beaucoup Mais mieux. vous avez même fini par atterrir un peu en clinique. Oh oui, mais ce n'était pas à cause de ça, vraiment. Vous savez, Pas seulement la carrière. c'était surtout la fatigue et aussi 2 choses. Le fait d'abord que les 3 ans dans lesquels j'ai travaillé pour Preminger étaient dans une façon un choc après l'autre, le choc de quitter ma famille, le choc d'être dans un milieu que je connaissais pas, que je ne comprenais pas, le choc d'être obligé de faire un travail que je n'étais pas capable de faire, et aussi, comme depuis je sais que vous le savez, certains problèmes personnels. Un problème personnel, parce que vous divorcez. Oui. Et puis vous êtes sortie de la clinique, très alerte. Oui, mais vous savez, le clinique, il ne faut pas exagérer non plus. C'était vraiment une semaine de ce qu'on appelle repos. Vous n'avez pas été consultée un psychanalyste? Ça se fait beaucoup à Hollywood. Non, merci. Non, d'ailleurs, vous êtes presque parisienne. Plutôt que hollywoodienne psychoanalysée. Oui. Ah, vous n'êtes pas psychanalysée. Ça se voit. Jamais. Comment est-ce que votre carrière a commencé? Prenons la découverte. J'étais en Iowa, à Oui. Marshalltown. J'avais 17 ans. J'avais follement envie de faire du théâtre. Oui. Et j'avais voulu être une actrice depuis j'avais 12 ans. Parce que j'avais vu le premier film de Brando, The Men, ça Oui, s'appelle, les où il hommes, c'était jouait le un film sur les paralytique. Oui. paraplégiques. Et c'était la première fois que j'étais vraiment impressionnée par peut-être le force ou le pouvoir qu'un acteur pouvait avoir, ou le fait qu'il pouvait être aussi émouvant. Et j'ai tout de suite lu tous les articles que je pouvais sur Marlon Brando. J'ai lu qu'il détestait la publicité et qu'il aimait le calme. Alors je l'avais écrit une lettre en lui invitant de venir vivre avec ma famille et moi Au à Iowa, Marshalltown. oui. Et il a Et répondu. il n'a jamais répondu, non. Et il y a à peu près 1 an, je l'ai rappelé de ça et il Ah, m'avait vous l'avez dit. rencontré à Oui, Hollywood et vous lui oui. avez raconté ça. Oui, alors il m'avait dit de lui essayer encore une fois. D'écrire une autre Oui. lettre. Là, il serait d'accord pour venir. Peut-être, oui. Alors donc, quand vous avez été sélectionnée parmi des Alors, milliers de candidates, vous avez joué Jeanne d'Arc. c'est ça, oui. Preminger avait fait une concours. Il est allé Dans tous les pays. oui, plus ou moins, pour entendre les jeunes filles. Et puis finalement, je ne sais pas pour quelle raison. Il m'avait choisi après ma professeure dramatique de mon école à Iowa avait envoyé une lettre en lui disant qu'elle aimerait qu'il m'entende aussi lire le Saint-Jean de Shaw. Alors vous avez tourné Sainte-Jeanne. Oui, à Londres. Et puis ensuite, Bonjour Tristesse. Et quand Sainte-Jeanne est sortie, vous vous êtes fait insulter par tous les critiques Ah oui, c'était internationaux. terrible. Terrible. Qu'est-ce que ça fait quand on est insulté par tous les critiques du Dans ce monde? cas, c'était particulièrement Pénible. terrible, oui, parce que d'abord, c'était au moment où j'étais le plus seule que j'étais dans ma vie, parce que j'étais très fatiguée et j'étais envoyée, enfin, je suis allée à Nice, parce que c'était le seul nom de ville en français que je pouvais prononcer. Alors, j'avais décidé d'aller là pour me reposer pour 1 mois. J'avais loué un petit appartement et une voiture et je ne parlais pas un mot de français à ce moment. Et toutes les critiques étaient envoyées de le bureau de Preminger de New York à moi, à Nice. Oui. Alors c'était difficile parce que à ce moment, c'était toute ma vie. Vous savez, c'était de rendre un succès pour Monsieur Preminger, de lui montrer Il avait eu qu'il avait raison de vous raison de me choisir. choisir. Alors c'était un énorme échec. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu envie de vous jeter dans la Méditerranée? Non, il était très gentil parce que pour me montrer qu'il croyait en moi, il avait tout de suite, il m'avait mis un Bonjour Tristesse. Et puis, enfin, Bonjour Tristesse en a sorti mieux tout de même. Mais
Mais pas tellement bien. Comme ça. Il n'y a que les critiques Nouvelle Vague français qui vous ont trouvé C'est ça, merveilleuse. c'était le plus merveilleux critique qui était écrit sur ça, était écrit par un jeune critique très radical qui s'appelle François Truffaut. Oui. Et qui Et disait, je crois, Bonjour Tristesse, c'est le plus grand poème d'amour d'Otto Preminger à Jean Oui, Seberg, quelque non? chose comme ça. Oui. Il exagérait un peu. Un peu seulement? Beaucoup. Vous étiez au creux de la vague. Alors, qu'avez-vous fait? Vous êtes dit, eh bien, le public ne m'accepte pas. Alors, j'ai réalisé deux choses. J'ai réalisé, d'abord, il fallait que je fasse des études, parce qu'il fallait que j'apprenne un métier. J'avais peur de la caméra. Je croyais que la caméra était comme un canon et que je vais être fusillée chaque fois que ça commençait à tourner. J'étais comme ça devant la caméra. Alors, comment avez-vous apprivoisé ce fusil, ce J'ai canon? Commencé d'abord, j'ai fait des études de la danse, de mime, pour détendre le corps. J'ai fait des études de mime avec Étienne Decroux, Oui. qui était le professeur de Marceau, qui est un merveilleux mime. J'ai fait des études de la voix, j'ai essayé de baisser ma voix. Et j'ai commencé de prendre les cours dramatiques en Californie avec un très bon professeur. Et aussi, je ne peux pas nier le fait que mon mari m'avait Que vous veniez beaucoup d'épouser. aidé et m'avait beaucoup donné de confiance.